Ça fait quoi ça? Le camion il brûle. Mais comment il a pris feu là? Ah, je sais pas du tout. Il y a quoi dedans? Tu vois, c'est à la poubelle? Oui. Ça c'est comme une poubelle, ça fait brûle. Ah, c'est des camions brûlés ça? Ouais. Il y a un rictus et il rigole. J'étais derrière le comptoir et un des gars de la benne est venu, m'a dit « Madame, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau ». Je lui ai donné de l'eau, il m'a dit parce que la benne, elle commence à fumer. Donc il a arrosé tant bien que mal. Et au bout d'un certain temps, il m'a dit « Madame, montez dans les étages parce que ça va exploser ». Et moi, sur le coup, je ne lui ai pas cru. Je me suis dit « Ah bon ?» Il m'a dit « Oui, oui, montez dans les étages. » Et je suis restée dans mon commerce et c'est un voisin m'a dit « Angèle, monte dans les étages parce que réellement, la benne va exploser. » Et c'est là, quand j'étais à l'arrière de la porte, c'est là que j'ai vu des feux, le feu et tout le gaz qui rentrait. Donc j'ai pris de l'eau pour monter au 5e étage. Et voilà, c'est tout. Vous avez entendu l'explosion, comment ça s'est passé? Ah ben ça a explosé, bien évidemment, hein, bien sûr. Ça a fait quoi comme boost fort? Ben oui, ça a explosé, boum! Voilà, un gros boum! Ouais. Voilà. Vous avez eu peur, comment ça s'est passé? Oh, j'ai pas eu peur, parce que je me demandais ce qui se passait. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont, ils vont peut-être assurer la sécurité. Mais les gars, ils ont été au-dessus de ça, ouais. Ils ont pas pu. Parce qu'ils se sont sauvés aussi. Ils sont montés dans les étages avec nous. Les pompiers sont arrivés après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils sont arrivés après, on les a téléphonés, ils sont arrivés après. Mais ils sont arrivés assez rapidement. Hein. Mais voilà, le mal était fait, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi les dégâts, là, expliquez-moi? Eh bien, les dégâts, c'est la vitrine, le tabac n'a rien pris. Mais c'est les appartements, les dégâts, et puis la suffocation des gens, quoi. C'est ça. Voilà, parce qu'il y avait des femmes quand même enceintes et tout ça. La fumée est montée, voilà.